Donc ben voilà, 1er août, 6h36 du matin. Ben, déjà Mathias, un big up, hein, si tu regardes ça, bon anniversaire. Hein. Et puis moi c'est... Ok, donc bon, comme j'ai un peu d'avance, je vais parler de ses objectifs de la journée. Alors là, comme j'avais dit, on est lundi, je vais commencer ces fameux trous pour que je puisse quand même planter assez rapidement par la suite. Je vais pas faire d'amendement spécial puisque honnêtement, je fais ça un peu rapidement. Je ferai un amendement lors à la plantation. Donc, en ce qui concerne les objectifs, ben, je pensais planter entre 450 pour être exact et 600. Au départ, à la louche, hein, en comptant assez large. Puis finalement, avec tout ce que j'ai préparé, j'ai rajouté la évive que j'avais pas prévue. Donc, on arrive à 800 trous. Bon, là, j'ai pris une petite réservation. La machina. Et donc, ouais, pour être sérieux, ben voilà, 3 jours. 3 jours, niveau de tarif, je sais plus trop. Par contre, ça m'a choqué parce que... l'essence 2 temps en mélange, alors moi je l'ai fait avec de la bonne Ipone, hein, bien de chez nous, je l'ai fait, eux ils vendaient du 95 plus du 2 temps, mais l'huile 2 temps ils vendent ça à 5,50€ le litre, 25€ le bidon, un truc de fou pour la 5 litres. Bon, donc je l'ai fait moi et voilà, donc objectif, on va voir sur 3 jours combien je vais réussir à faire de trous. En même temps, j'ai jamais utilisé cette machine. Je me fais ça comme d'hab, un petit en mode solo. Et puis, surprise, je vous ferai avancer. Je ferai une petite vidéo ce soir pour un premier compte rendu de la première journée. Après, pareil demain. Demain, journée pleine. Et mercredi, je la rends. Donc, il faudra que je vienne ici avant la fermeture. Voilà, c'est tout. Je suis chaud, j'espère que ça va pas me tuer la santé là, cette première journée. Mais je sens que ça va être du sport. Voilà, je vous ferai un petit point sur la machine là, un peu plus tard. Essaye. Bon, ben là, on va bientôt attaquer les choses sérieuses. Première étape, déchargement. La machine. Bon, honnêtement, ça va être du sport. Que peut-être que ça va aller. Oh, c'est quand même sport, hein. C'est censé peser 38,4 kg. Alors avec ou sans le plein, je sais pas. Là, il y a le plein. Quand même, hein. On pouvait normalement la plier, mais il n'y avait pas moyen là. Pouf. Pas grave, ça va. T'as eu mal, ma petite? Non, même pas mal. Genre pour creuser un trou, ça va, ça. Voilà, là, c'est du 25, je crois. Je vais vérifier. Le casque, il y a les gants, tout. Je vais encore mettre les bottes. C'est la FD400. Alors maintenant, moteur 2 temps. 55 cm3. Hein, les amis en mobilette. Moi j'ai une belle mobilette là aussi. Monoroue. Qu'est-ce qu'il y a? 2,8 chevaux, je crois, si je dis pas des conneries. Donc, quand même, hein. Il n'y a pas encore la mèche dessus. La tarière, quoi. Moteur de temps. On va voir ce que ça vaut. Allez, je suis en tenue de combat, on va dire. Let's go! Je crois que c'est le plus gros trou que je vais faire, ça, avec ce truc. Hein. J'en ai fait d'un paquet des trous, hein, mais celui-là,
en one shot. J'ai un plus petit aussi au cas où. Donc ils disent c'est facile. Rien n'est facile en ce monde. Ouais. Ok. Ok. Là, il y a du... Ok. Bon. Ça ressemble à un truc de jeu vidéo. On va voir en réalité. Déjà, je mets deux paires. J'avoue, je savais pas si je devais filmer le premier trou. Ouais, je vais le filmer quand même. Bon, instant de vérité. Instant de vérité. Je vais déjà me mettre en position avant de démarrer. Bon, on va dire que ça va, ça roule bien. Bon, le pré-trou, c'est pas mal. La terre elle est salement dure. Je vais essayer avec la petite mèche là. On va voir. Bon bah je la retente avec la plus petite mèche. Ça ira mieux comme ça. Voilà. Bon, moralité, écoute, moi je vais te dire que c'est de la merde. En fait, je viens de m'apercevoir que c'était surtout là au bord parce que le tracteur il roulait là tout le temps. C'était le chemin et je suis à ras du chemin. Là, en fait, ça va. Donc voilà, l'idée c'est ça, mais ça va quand même être une misère, ça c'est sûr. Donc bilan du trou, le trou il est net quand même, il y a moyen de planter. La terre elle est putain, elle est bonne. C'est net, hein, ça vaut un carottage. Bon, le trou en soi il est pas mal, mais putain, je sais pas combien de temps j'ai mis là. Ah putain, mon café. J'allais dire, je fais ça en speed parce que j'ai plus de place sur la carte.
D'abord, il faut mélanger. Tu crées le désordre, tu crées le chaos, et après tu fais régner l'ordre. Tu crées le chaos, tu fais régner l'ordre. Voilà, c'était tout ça pour dire ça en fait. Toujours sur le tabac, hein, vous inquiétez pas les gars. Tu me déclopes, hein. Tu imagines si je fumais des spliffs, comment je serais pas motivé pour faire tout ça? Sérieux. Donc bilan du jour, c'était casse-tête. Alors physiquement ça va, t'as les poignets qui prennent cher là. Là comme tu vois, hein. Oh putain de sa mère, la petite mèche. Voilà, avec ça, voilà. Avec ça aujourd'hui j'en ai fait 189. J'ai commencé à 8h et j'ai arrêté à 17h30. J'ai fait une demi-heure de pause. Voilà. J'ai niqué je sais pas combien d'essence, mais ça va, même pas 10 litres. Allez. Premier jour, c'est fini.